Salut tout le monde, c'est Aldezo et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour 1.14. Donc, il y a quelques véhicules qui sont sortis mais ce ne sont pas des véhicules de luxe, on va aller les voir de suite sur internet. Voilà, donc voyage et transport. Donc je vais vous montrer quand même, hein. Regardez, Legendary Motorsport. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout de nouveau dans les voitures de luxe. On va aller du coup dans les voitures merdiques. Et là, bam! On a le droit à 6 petites merdes, c'est plutôt pas mal. Non, je rigole, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, c'est pas génial, quoi. Donc celle-ci qui ressemble un peu à une Golf, normalement. Là, on a la C-Smart, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là, je sais pas trop si elle est tip-top. J'ai pas trop envie d'utiliser tout mon fric pour tuner ce genre de voiture. En tout cas, à ce qui paraît... On peut changer quand même pas mal de trucs sur ces nouvelles voitures. Donc vous pouvez toujours aller les essayer. Moi je vous montre juste, je vous dis ce qu'il y a de nouveau dessus. Donc maintenant on se retrouve dans quelques secondes où je vais aller voir à la munition. Car normalement il y a deux nouvelles armes ou un peu plus même. Donc à tout de suite. Et donc nous voilà à la munition. Donc les deux nouvelles armes sont celles-ci. Ah, ouais, c'est bien les deux seules que j'ai pas. Dague antique, on dirait un couteau de pirate. Vas-y, on va acheter. Et ça, c'est un pistolet vintage. Chacun se doit d'avoir une arme facilement reconnaissable. Démarquez-vous avec un pistolet vintage gravé. Disponible dans la mise à jour hipster toi-même. Ok, d'accord. Donc, j'achète aussi. Bon, le plein, il est déjà fait. Chargeur grande cape, ouais. Ensuite, un silencieux non, parce que ça fait rien du tout après. Et de base, il est comment? Il est en... Ah non, il est pas en or. On aurait dit... En or, ça fait vraiment comme ça. Donc on va se le prendre en orange pour changer. Hop, voilà, quoi que ça fait... Aïe, aïe. Je sais pas, c'est vrai qu'il est pas mal d'origine. Je crois que je vais prendre celui-là, on dirait le petit flingue en or dans... dans comment ça s'appelle? Dans James Bond. Dans les vieux jeux de James Bond, il y avait le petit flingue en or. Je me rappelle plus comment exactement il s'appelait. Donc alors, attends, des pistolets vintage. Alors, est-ce que tu fais mal? Mouais. Ça peut aller. Bon, maintenant, on va aller dans les... Attendez, je vais juste regarder le couteau. C'est le couteau vintage, il est où? Non, dague vintage. Mouais. Ça change pas grand-chose, mis à part qu'il y a une autre poignée, quoi. Bon bref, maintenant on va aller faire les boutiques, donc on se retrouve de suite. Et donc nous voilà dans les magasins, donc comme vous pouvez le voir, je crois bien que cette veste-ci est bien dans la mise à jour hipster toi-même. Donc on va aller voir s'il n'y a pas autre chose, blouson cuir, normalement ça devrait se trouver dans les derniers. Là je crois qu'il n'y a rien, c'était ce qu'il était déjà si je me rappelle bien. Survêtement game, ils sont sérieux, ça c'est bien américain. Non, mais je pense pas que ça soit nouveau. Par contre, dans les t-shirts, il devrait y avoir des trucs. Je sais pas si ça en est. Je peux pas vous dire. Parce que j'avoue que je viens pas souvent dans les rayons. Je l'avais déjà lui apparemment. Je comprends pas pourquoi j'ai un tatouage avec mon truc. On va voir dans les chemises. Non, ça c'est pas hipster toi-même. Sûr, ça y était déjà. Suite à capuche. Ça y était déjà. Ça, je sais pas. Je sais pas. Ensuite, débardeur. D'ailleurs, je vais reprendre le mien. Il est où? Il est où mon débardeur? C'était celui-là. Alors. Apparemment, il n'y a rien de nouveau là non plus. Donc, t-shirt de baseball. Je sais pas s'il y en avait autant avant. Ouais, là, j'ai vu. Là. Non. J'ai vu dans la hipster. J'ai vu qu'il y avait écrit que c'était dans la hipster. Marqué en bas. Bon bref, je peux pas le revoir, apparemment il ne marque qu'une fois. Là voilà, disponible dans la mise à jour hipster toi-même. Donc là, ouais,
Tout ça, c'est du nouveau. Enfin, tout ça. Quelques-uns, je sais pas lesquels exactement, parce que, bien sûr, on peut pas savoir. Eau de sport, OLS. Bon, ça, ça y était déjà, si je me rappelle bien. Gilet. Ça, ça y était, je crois bien. Là, ça, c'est nouveau. Le Bordeaux, je crois que c'était. Ou cela, là, peut-être. Ouais, non, ça, c'est mis à jour business. Après, il n'y a rien. Pourquoi ils sont tous bloqués? Sans porter une veste appropriée. Ok. Bon, je peux pas regarder. Bon, c'est des chemises. Hein. Gilet de costume, qu'est-ce qu'on a? Ah, je peux pas non plus. Du coup, je peux pas savoir s'il y en a des nouveaux. Là, il n'y a pas de petite étoile pour me dire que c'est nouveau. Donc, il doit rien avoir. Et spécial, c'est quoi ça? Ça, c'est... Je me rappelle pas qui y était avant. Ah, je l'aime bien en plus. Tout classe. Hop, j'achète. Tu fais emblème de crew. Arrière, là. Nickel. Ensuite, on va aller voir dans les chapeaux et tout. Parce que normalement, il y a de nouveaux bonnets et compagnie. Moi, j'aime bien les bonnets, ça me fait kiffer. Pantalon, j'ai pas trop envie, ça va mettre du temps. On va plutôt regarder les... Les chapeaux, comment on fait pour avoir les chapeaux là? Il y en a plein. Bon, on va les voir ici. Chapeau, nickel. Bonnet, normalement il y en a plein de nouveaux. Voilà, hipster. Ah, mais c'est les mêmes que les miens, sauf qu'ils sont en couleur maintenant. Ça me plaît tout ça. Je vais voir ce qu'il y a. Je préférais le mien, il faisait bien SDF, j'aimais bien. Ouais, je vais en prendre un blanc. Il ira bien avec mes lunettes. Il n'y a pas d'autres de nouveau? Ouais, moi j'avais celui-là. C'est exactement le même en fait. Bonnet Rasta. Ça c'était tout au niveau bonnet. Chapeau de toile. Pack plagiste. Là c'est quoi là? Il y a des étoiles. Bon, je sais pas. Là il n'y a pas d'étoiles donc il doit pas y en avoir. Mise à jour business. Oh putain, j'avais pas vu qu'on pouvait avoir ça. Je le connaissais pas celui-là, je l'avais pas vu dans le mise à jour business. Oh, c'est stylé franchement, je suis heureux de l'avoir retrouvé celui-là. Ah, hipster. Ouais, on a tout ça là, tout ce genre de chapeau, celui-là il est plutôt sympa. Même si c'est pas trop mon style. Je préfère mon bonnet quand même. Ou le grand chapeau, là il était marrant. Plagiste, ça c'est plagiste. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, c'est ça qu'ils appellent des feutres. Hipster. Yeah, en violet. Ça fait bien quand? Donc voilà, vous avez ça, chapeau de cowboy, ben non, parce que casque audio, il y en a des nouveaux, c'est quoi ça? Non, ok, c'est juste que j'ai dû le débloquer en fait, et... Donc, hop, j'ai pas regardé au fond, si c'était bon. Non, si... Donc voilà, je crois que c'est tout. Attendez, je vérifie quand même. Ouais, des tenues, des nouvelles armes, des nouveaux véhicules, je vous ai montré. Et il y a des célébrations, mais les célébrations, je sais même pas ce que c'est en fait. Et normalement, il devrait y inclure comment ça s'appelle? Les missions où on va braquer, enfin les braquages de banque, voilà. Normalement, on devrait avoir le droit au braquage de banque pour cette mise à jour. Rien n'est sûr, si elle n'est pas encore là de suite, parce que là je peux pas les trouver comme ça, je sais pas comment elle s'appelle. Ben, si elles y sont pas de suite, ben, on les aura au pire des cas comme avant pour les pour la mise à jour, je sais plus quoi. Ouais, oui, pour le mode éditeur en capture du drapeau. On l'a pas eu dès la première mise à jour, il y a eu une mini mise à jour qu'on ne voit même pas passer, qui a inclus le mode éditeur capture. Et bien là ce sera pareil, si on l'a pas de suite, là c'est qu'on l'aura en mini mise à jour. Donc préparez-vous au braquage de banque, ça risque de swinguer. Moi je vous dis à plus, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.